français s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue en français s'il vous plaît. Nous allons parler aujourd'hui d'une immersion. 22 étudiants français et leurs professeurs sont plongés pendant une dizaine de jours dans l'actualité roumaine. Étudiants au CELSA, grande école rattachée à la Sorbonne, ils sont aujourd'hui dans les locaux de RFI pour découvrir la Roumanie avant et pendant les élections européennes. Ils alimentent tous les jours un blog avec leurs articles, un blog que vous pouvez visiter à l'adresse newsroom.fr. Nous allons discuter de cette visite et de quelques regards sur la Roumanie avec Hervé Demailly, responsable du master. Bonsoir. Bonsoir. Marianne Rigaud, journaliste encadrante pédagogique. Bonsoir, bonsoir Marianne. Et Pauline Dufour qui est étudiante. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venue. Tout d'abord Hervé Demailly, pourquoi la Roumanie? Ce n'est pas la première fois que votre école organise des stages. Pourquoi vous êtes venu en Roumanie cette année? Alors, on est venu en Roumanie cette année parce que quand on fait ce déplacement de fin d'année, généralement, on veut montrer quelque chose à nos lecteurs français ou à nos internautes français. Et le fait de venir en Roumanie, c'était un petit peu... On est parti du principe et de constat qu'en France, l'image de la Roumanie n'était pas très valorisée et surtout qu'elle ne correspondait sans doute pas à une réalité. Et cette réalité qu'on a voulu venir découvrir en faisant cette délocalisation pendant 10 jours ici en Roumanie. Marianne Rigaud, vous y êtes pour quelque chose parce que vous connaissez la Roumanie déjà. Alors la Roumanie était déjà le choix de destination du CELSA. J'ai rencontré Hervé il y a quelques mois quand j'ai su qu'ils avaient choisi la Roumanie parce que c'est un pays que je connais très bien comme journaliste. Ça fait 7 ans que je viens assez régulièrement à Bucarest et en Roumanie pour des reportages que je publie dans des revues françaises. Donc j'étais très contente de voir qu'une école avait choisi un pays qui me tient à cœur et qui je pense mérite un autre regard. Et pour vous, Pauline, c'est la première fois, c'est une véritable découverte. Vous êtes là depuis quelques jours, comment ça se passe? Oui, c'est la première fois. Ça se passe plutôt très bien, je dois dire, pour toute la classe, même pour toute la promo. On est assez surpris, c'est très très dépaysant. Mais vraiment, on est ravis parce que pour le coup, on découvre énormément de choses tous les jours. Enfin, c'est juste le début, mais c'est vrai que... On en découvre tous les jours et on essaye d'aller un petit peu à droite, à gauche en Roumanie, pas que à Bucarest. Et c'est aussi pour ça que ça nous intéressait. Voilà. Hervé, vous disiez qu'il y a plein de clichés, de préjugés, de stéréotypes sur la Roumanie en France. Actuellement, quoi par exemple? L'idée de départ, c'est une polémique qui est née en France au moment des élections municipales il y a quelques mois, qui stigmatisait les Roms, effectivement. Et donc on s'est dit qu'au-delà des Roms, bon la Roumanie n'est pas les Roms et les Roms ne sont pas la Roumanie, mais en même temps ce lien se fait dans l'esprit des Français assez facilement. Et c'était encore une fois une vision très manichéenne de la réalité qui ne semblait pas correspondre à, en tout cas, un idéal journalistique que l'école a envie de faire passer auprès de ses étudiants. Et c'est un peu pour ça qu'on a eu cette idée de venir s'installer ici avec cette sous-titre. C'est un autre visage de la Roumanie, c'est le sous-titre de notre blog. Et le Newsroom, je voudrais préciser qu'il s'écrit News, mais Room, R-O-U-M, c'est voilà. Un petit jeu de mots. Ce qui permet aussi d'avoir dans ce cadre-là donc des points de vue, des regards diversifiés à la fois sur le quotidien des Roumains, mais aussi sur l'implication européenne de la Roumanie, sur sa dimension culturelle et sur sa dimension aussi économique. Voilà, vous avez ce blog newsroom.fr, vous êtes ici dans les locaux du RFI Roumanie et c'est vrai que ça donne beaucoup beaucoup de vie à notre radio. Marianne, vous rédigez ce blog qui est structuré un peu comme un journal, il y a plusieurs rubriques, il y a plein d'articles. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce qui se passe sur ce blog? Alors moi je rédige pas sur le blog, ce sont les 22 étudiants qui écrivent ces articles. On est sur un rythme de publication, là c'est les premiers jours, on est sur 3-4 par jour. On va monter à 5, 6, 7, 8, 10 peut-être dans les grands jours. À la fin des 10 jours, on aura une centaine d'articles qui parleront de la Roumanie sur le blog, avec 4 rubriques. Donc on a la société, la politique, tout ce qui concerne l'intérieur de la Roumanie. On a une rubrique économie, pour nous c'était très important d'avoir... Des articles qui parlent de l'économie roumaine. On a une rubrique sur les voisins, les relations de la Roumanie avec la Moldavie, avec la Hongrie, la Transnistrie. On a 2 étudiants qui partent ce soir pour Tiraspol. Et on a une 4e rubrique qui m'échappe complètement. Culture, non ? Culture, bien vu. On a une rubrique culture, montrer que la Roumanie ne se résume pas au folklore, qu'il y a une vraie histoire culturelle très riche. Et vous, Pauline, vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Alors là, en ce moment, je suis en train de monter un reportage que j'ai fait hier avec un camarade. On est allé dans la banlieue nord de Bucarest et on a suivi des militants, enfin des étudiants qui sont militants pour le PNL, un parti politique, qui prépare les élections européennes, et ils faisaient du porte-à-porte pour aller voir les habitants, leur demander ce qu'ils pensaient du parti, s'ils allaient voter. Et donc voilà, on a fait des vidéos, des photos, on est en train de mettre tout ça en forme pour que ce soit tout beau sur le site. Et comment ils vous ont accepté ? Très très bien, ils étaient vraiment très sympas. C'est aussi ce qui nous a frappé quand on est arrivé ici, parce que quand on fait nos articles en France, c'est un petit peu plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, on a besoin de faire beaucoup de choses, des mails, des coups de fil, etc. Et ici, on a l'impression que vraiment, on appelle quelqu'un et tout de suite, la personne nous dit « oui, oui, il n'y a pas de souci, passez me voir ». Jusque-là, je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas eu de problème majeur pour trouver des contacts, et ça, c'est assez agréable. La Roumanie, en français, s'il vous plaît. Et nous parlons ce soir du journalisme, et pas seulement, avec Hervé Demailly, qui est responsable du master du CELSA, Marianne Rigaud, journaliste, et Pauline Dufour, qui est étudiante dans ce master. Quelles sont les surprises, les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui vous sont arrivées, Hervé Demailly, ou pour l'instant il n'y a pas de surprise ? En arrivant ici ? Oui. Ce ne sont que de bonnes surprises pour le moment. Donc c'est vrai que ce que disait Pauline tout à l'heure, c'était important d'avoir ce sens de l'accueil. Je veux dire que quand on s'est parlé de notre projet il y a quelques mois, la réaction des responsables de RFI, c'est de dire effectivement vous pouvez venir vous installer chez nous, on pourra vous aider dans les démarches éventuelles dans le cadre des reportages. Et je crois que cet accueil chaleureux, c'est quelque chose qui marque dès le début. Et c'est vrai que c'est pour moi une des caractéristiques essentielles des citoyens roumains et de la Roumanie en général. Ce qui est aussi marquant, moi je n'étais jamais venu en Roumanie avant ce voyage, et dans Bucarest en tout cas, c'est l'hétéroclicité, enfin, le paysage hétéroclite de l'architecture, qui est quand même assez extraordinairement varié, assez incompréhensible peut-être. Et puis, voilà, pour l'instant, on n'est pas sorti de Bucarest, mais en même temps, on sent qu'il y a aussi une dimension assez festive. Ce week-end, il y avait une grande fête dans le parc, là. Et voir autant de monde dans un parc public, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément en France, par exemple. Et vous, Marianne, vous connaissez quand même très bien la Roumanie. Vous êtes venue plusieurs fois, vous y avez habité il y a quelques années. Vous sentez une évolution ou, je ne sais pas, en raison de la crise, vous sentez que les choses stagnent un peu ? Donc quand j'habitais ici, c'était 2006-2007, année où la Roumanie est entrée dans l'Union européenne. Et je trouve que tout s'est accéléré depuis cette année-là. Les mois qui ont précédé l'entrée dans l'Union européenne, le 1er janvier 2007, on sentait qu'il y avait une vraie impatience de la part des Roumains, une vraie envie d'intégrer l'Union européenne, peut-être une vraie bouée de sauvetage pour eux, de se dire « on va s'en sortir, on va avancer ». Je pense que cet enthousiasme est un peu retombé dans les premiers mois qui ont suivi l'intégration, parce que finalement, peut-être que les choses n'allaient pas aussi vite que ce que pensaient, ce qu'auraient aimé les Roumains. Et puis, je trouve que le pays est reparti. Moi, je viens à peu près une fois par an, deux fois par an. Je trouve que les choses changent très vite ici. La construction, notamment, Hervé parlait de l'immobilier, de l'urbanisme un peu hétéroclite. On voit des choses qui poussent. Moi, quand je viens pas à Bucarest pendant 6 mois, je reviens, je me dis « Ah, ça, c'était pas là ». Ça, je trouve que ça va vite. L'économie va vite, plus vite que chez nous. Alors, quand on voit 3,5% de croissance en 2013, on se dit « C'est énorme ». Non, en fait, c'est juste seulement un phénomène de rattrapage. Mais je trouve que ça va vite. Peut-être ce qui va moins vite, ce sont les mentalités. Il y a encore du travail à faire sur le changement, avant d'avoir un vrai changement générationnel. Mais en termes d'économie, d'urbanisme, il n'y a peut-être que les transports qui vont toujours aussi lentement en Roumanie. Surtout les transports, vous parlez des trains, surtout, j'imagine. En fait, les étudiants ont découvert, je les avais prévenus pourtant, que les transports sont assez lents en Roumanie et que le pays est très grand. C'est la première fois en fait que l'école vient dans un pays aussi grand, puisque les pays précédents, c'était Chypre, la Bosnie, où on se déplace assez facilement à la journée. Sauf qu'ici, il faut déjà la journée pour aller à Iași, à Cluj, à Timișoara.
Donc c'est un peu déstabilisant. Là, les étudiants ont tous envie de partir aux quatre coins de la Roumanie, ce qui est normal, bien qu'il y ait déjà de nombreux sujets à faire à Bucarest. Donc ils se rendent compte qu'il faut faire du train nuit, certains vont se retrouver à faire une nuit de train, un reportage toute la journée sur place, puis retour en train nuit, et puis le lendemain, pas question de dormir, va falloir écrire le reportage. Et pour vous, Pauline, la découverte de Bucarest, ça se passe comment ? Ça se passe tous les jours. Déjà, quand on fait le chemin entre l'hôtel et la rédaction... Ouais, vous habitez en centre-ville, voilà. Ici on est plutôt dans le nord. C'est ça, donc du coup on essaye de prendre des chemins différents à chaque fois pour voir d'autres choses. Je dois dire que c'est à peu près la même chose, c'est surtout l'architecture qui nous a marqué. Et c'est vrai qu'on découvre à chaque fois de nouvelles choses. C'est assez bizarre de voir ça pour nous. On voit beaucoup de bâtiments anciens mélangés avec des bâtiments nouveaux. C'est bizarre, mais c'est nouveau et je dois dire qu'on apprécie assez parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça. C'est ce qu'on est venu chercher aussi ici. Hervé Demailly, il y a ce blog, on va le répéter encore, newsroom.fr, room comme Roumanie, R-O-U-M. Est-ce que leurs papiers, leurs articles, leurs productions vont être repris par d'autres médias français ? Alors bien sûr, oui. Avant de partir, on a établi un certain nombre de partenariats avec des médias français, comme on le fait d'ailleurs à chaque fois. C'est pour... C'est avant tout d'abord un exercice pédagogique, ce blog, mais en même temps c'est aussi un exercice pédagogique qui intervient en fin de cursus. Donc on a affaire à des étudiants qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des professionnels. Et ces relais médiatiques qu'on essaye d'avoir en France avant de partir, c'est pour valoriser ce travail qu'on fait dans le cadre d'un exercice d'école. Donc on a pris des contacts avec Mediapart, avec les sites, enfin à chaque fois ce sont avec des sites, hein, donc Mediapart, oui. Le site de La Croix, le site de Libération. On a aussi un petit partenariat qui n'est pas encore très effectif, peut-être avec une radio française qui s'appelle France Bleu Île-de-France. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont en place. Maintenant, on a commencé à produire d'une manière très sérieuse et très professionnelle parce que le début a été tout le temps un petit peu lent. C'est normal, il faut qu'on arrive, qu'on s'installe. Même si on a des idées de sujets depuis Paris, généralement, quand on arrive sur place, les idées de sujets ne sont pas tout le temps très bonnes. Et il faut les remanier et les réadapter à la réalité du terrain. Donc voilà, les deux premiers jours, c'est quelques jours de flottement. Maintenant, on est dans une phase de production normale, avec un rythme soutenu. Et ces médias, ces partenaires vont être activés d'ici demain pour qu'ils puissent relayer ce que l'on fait. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Marianne Rigaud, journaliste, Hervé Demailly, responsable universitaire, et Pauline Dufour, étudiante au CELSA. Hervé Demailly, parlons un peu de la façon dont on enseigne le journalisme en France. Donc CELSA, à côté d'autres écoles, fabrique des journalistes. Est-ce que c'est plus difficile maintenant par rapport à il y a 10 ans? Est-ce que vous avez des soucis quant à l'avenir de la profession? Est-ce que vous avez changé les méthodes d'enseignement? Alors, des soucis vis-à-vis de l'avenir de la profession, je ne peux pas me permettre d'en avoir. Ce n'est pas mon rôle de juger de ce que sera la profession. Ce que je peux constater, c'est qu'elle évolue. Elle évolue assez profondément, à la fois parce que, d'abord, il y a une dimension économique des médias qui fait que la position du journaliste au sein d'une structure, d'une rédaction, est en train de se précariser, de se fragiliser, et que de ce fait, si on ajoute à ça l'évolution technologique, l'arrivée des blogs, la nécessité de savoir un peu tout faire maintenant quand on est journaliste en termes de support, en termes d'écriture, on peut écrire pour de la presse écrite, pour de la vidéo, pour du blog, c'est vrai que le journaliste aujourd'hui est devenu quelqu'un qui doit pouvoir être très facilement adaptable et s'adapter en tout cas à des situations et à des supports nouveaux. Après la formation, elle s'est forcément adaptée à cette évolution, et donc nos enseignements sont des enseignements qui tiennent compte de ces nouveautés. Le fait de faire un blog, maintenant on fait cette délocalisation un peu depuis 5 ans, on est allé, comme le disait tout à l'heure Marianne, on a commencé par la Bosnie, puis on est allé en Estonie, puis en Tunisie, à Chypre, et cette année en Roumanie. C'est l'occasion pour les étudiants de travailler sur des supports dans des conditions réelles d'une rédaction, c'est-à-dire que voilà, il y a 3 encadrants journalistes, rédacteurs en chef entre guillemets, qui valident les sujets. Moi, j'ai une posture plus économique qui valide le coût des sujets, et on est dans une véritable rédaction. C'est aux étudiants de proposer des sujets, de proposer de traitements multimédia qu'ils envisagent et qui est validé ou pas. Donc cette expérience par le terrain, c'est aussi une manière d'apprendre à travailler dans des nouvelles conditions de journalisme en France, en tout cas. D'accord. Marianne Rigaud, votre sentiment par rapport à cette profession que vous connaissez déjà depuis quelques années ? Moi, ça fait 4 ans que je suis sortie de l'école de journalisme de Lille. Je suis devenue tout de suite pigiste, donc journaliste indépendante, par choix.
ce que je vois, c'est que de plus en plus deviennent pigistes, mais pas par choix, par contrainte, à défaut de trouver un CDD ou encore mieux un CDI. Aujourd'hui, c'est vraiment plus la règle. CDD, contrat à durée déterminée, CDI, contrat à durée indéterminée. Voilà, c'est-à-dire un emploi à temps plein, être titulaire d'un média pour quelques années. Moi, c'est pas mon cas et c'est vraiment quelque chose que je souhaitais comme mode de profession. Sauf que je trouve que les écoles, en fait, n'anticipent pas assez cette évolution et ne préparent pas assez leurs étudiants à être journaliste pigiste, c'est-à-dire qu'on passe finalement plus de temps à avoir l'idée de sujet, à la proposer, à relancer les médias, à faire accepter le sujet, et finalement on passe peut-être un quart du temps seulement à faire le reportage. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, quelque chose qui relève de la débrouille, presque du sens commercial, de la vente, et qui est quelque chose autre que la technique. Les écoles de journalisme sont toujours très bonnes pour apprendre la technique, filmer, photographier, prendre du son, écrire, sauf qu'elles ne donnent pas toutes les clés, je trouve, aux jeunes journalistes pour savoir se vendre dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel. D'accord. Pauline Dufour, comment vous voyez votre avenir? Quand j'ai terminé mon école de journalisme il y a bien longtemps, au début des années 90, on savait que, bon, je suis rentré dans une radio et je savais faire de la radio, mais je ne savais pas faire de la télé et un peu de presse écrite, peut-être parce que je l'avais appris à l'école. Aujourd'hui, pour vous, c'est différent? Oui, je pense que c'est différent. Au Salsa, la chance qu'on a, c'est qu'on fait de tout, télé, presse écrite et radio, pendant les 2 ans. On a une spécialisation qui est assez courte, ce qui fait que ça nous permet de faire ce qu'on aime pendant un certain temps. Mais on lâche pas quand même les deux autres médias. Et du coup, ça nous permet à la fin de notre cursus de pouvoir raisonnablement dire qu'on sait faire et de la radio et de la télé et écrire dans un journal. Donc ça, c'est vrai que c'est assez appréciable et on le voit aussi avec les autres connaissances qu'on a dans les autres écoles de journalisme qui, eux, nous disent parfois que, comme ils ont fait de la radio, ils connaissent pas du tout le logiciel de télé et que du coup, ça va être un petit peu compliqué s'ils ont une opportunité en télé. Donc ça, c'est vrai que, ça nous donne quand même confiance en nous, mais on sait quand même que, la sortie... on va faire un petit peu de tout et que au départ, ça va certainement être des piges, peut-être des CDD pour les plus chanceux. Mais je dois dire d'ailleurs qu'on a eu un cours sur les pigistes cette année, Marianne. Donc c'était très bien, on a appris à se vendre. Et c'est vrai que ça, on ne le savait pas du tout non plus. On était assez mal à l'aise d'ailleurs avec cet exercice parce que c'était compliqué de dire « prenez-moi, je suis super, mon sujet est génial ». Voilà. Pourquoi voulez-vous devenir journaliste? Parce que... question de l'entrée de l'école de journalisme. De sortie. Parce que je pense que c'est un moyen de découvrir les choses, mais c'est-à-dire, on en parlait d'ailleurs hier soir avec tous mes camarades, on se disait, si on était là en étant touriste, on n'aurait pas fait les mêmes choses et on n'aurait pas vu les choses à travers les mêmes yeux, en fait. Et je pense que c'est vraiment pour ça, je pense que là, je peux parler pour toute ma promo. On aime être journaliste parce que ça nous permet vraiment de rentrer dans le sujet, d'essayer de comprendre les gens, de les rencontrer et vraiment d'aller au fond des choses. Et c'est ça qui nous plaît, en fait. Et du coup, je pense qu'être touriste, ça nous intéresse de moins en moins parce que vraiment, on a une vraie valeur ajoutée quand on va chercher les choses où elles sont et qu'on essaye de les travailler après. Bucarest, en français s'il vous plaît. On parle de journalisme, mais pas seulement, avec Hervé Demailly, responsable du master de CELSA, Marianne Rigaud, journaliste et encadrante pédagogique, et Pauline Dufour, qui est étudiante. Hervé Demailly, comment vous voyez l'avenir des médias? C'est un débat intense en Roumanie depuis quelques années, parce qu'il y a de plus en plus de médias d'opinion qui remplacent les médias d'information. Et ça, c'est suite aussi au phénomène de réseaux sociaux. Sociaux, par exemple, qui incitent les gens à parler en leur propre nom et en oubliant parfois la déontologie qu'on a appris à l'école. Est-ce que vous avez le sentiment que l'opinion est en train de prendre le devant sur l'information en France aussi? Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à donner une tribune à quiconque veut la prendre pour exprimer son point de vue. De là à dire que c'est du journalisme, c'est quand même là que se trouve un petit peu la différence. On n'est pas parce qu'on s'exprime qu'on est journaliste. Non, mais comment un journaliste doit s'exprimer sur un réseau social, par exemple? Voilà, ça c'est une vraie question qui se pose et qu'on essaye d'intégrer dans la formation. C'est-à-dire que
je prends encore l'exemple de ce qu'on fait aujourd'hui en Roumanie, ce blog suscite des commentaires, chacun doit gérer ses commentaires, et effectivement, le journaliste est en plus un espèce de webmaster, de modérateur qui doit gérer son écrit par la suite. Et ça, c'est une nouveauté, ça veut dire que la parole publique du citoyen, elle peut être entendue, mais elle ne peut pas se substituer à celle d'un journaliste dans le cadre d'un média. Donc après, certains médias surfent un peu sur cette vague en ouvrant des blogs ou des supports pure player qui ont tendance à faire croire à un citoyen qu'il peut être un journaliste. On est tous journalistes, ce qui est à peu près idiot. Mais en même temps, je pense que c'est aussi aux journalistes à faire attention et à défendre un petit peu sa... Vous disiez le mot déontologie ou éthique tout à l'heure. Je crois que c'est aux journalistes à défendre sa profession, à défendre son appartenance à cette profession et à ne pas se laisser entraîner par l'évolution de la société dans des discours qui seraient hors du contexte médiatique et journalistique en tout cas. D'accord. Marianne Rigaud ? Moi, je vois les réseaux sociaux vraiment comme une caisse de résonance pour les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'articles et de reportages radio, télé qui sont produits chaque jour en France et dans le monde, qu'il faut savoir en fait les amener jusqu'à son lecteur. Et Twitter ou Facebook sont vraiment une des façons, un des canaux qui permettent d'amener un reportage jusqu'à une cible. Sur notre projet Newsroom par exemple, on a tout de suite ouvert une page Facebook, un compte Twitter qui permet de démultiplier, ça va être retweeté, ça va être partagé, donc ça nous permet d'élargir notre audience potentielle au-delà des personnes qui viennent déjà naturellement sur notre blog. D'accord. Et pour vous, les réseaux sociaux, Pauline, ça représente quoi ? Vous êtes née avec Internet et vous avez grandi avec les réseaux sociaux, donc ça représente quoi ? Je suis assez d'accord avec Marianne, c'est beaucoup pour partager notre travail et c'est vrai que ça nous donne beaucoup plus de lectorat. C'est aussi un moyen d'être plus proche de son lectorat parce que si le lecteur est content ou pas content, il va le dire tout de suite, on va tout de suite le voir. Et ça, je crois que c'est assez important pour nous par rapport notamment aux commentaires qu'on a sur les sites ou sur les articles. S'il y a une erreur, s'il y a quelqu'un qui remet en doute, alors parfois c'est fondé ou pas fondé, mais je trouve que c'est assez enrichissant aussi pour nous quand on écrit parce que ça nous permet aussi de prendre conscience de ce qu'on fait, de se dire que c'est important, c'est une certaine responsabilité et de se dire que derrière il y a quelqu'un qui lit et s'il n'est pas d'accord ou s'il trouve que ça devrait être nuancé ou que c'est pas vrai, il peut aussi le dire. Donc c'est aussi un moyen pour nous de rester en fait sérieux dans notre métier et de pas faire n'importe quoi. D'accord. Hervé de Mailly, vous êtes encore au début de votre séjour en Roumanie, il vous reste encore une semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Ce qui va se passer dans les jours qui viennent, ça va être encore une fois des reportages. Maintenant, on est dans une phase où les étudiants ont pris leur marque un petit peu partout. Les projets de sortir de Bucarest pour aller voir, pour aller voir le reste de la Roumanie sont en train de se mettre en place. Et maintenant, on est même plutôt à gérer la pénurie d'étudiants ici à la rédaction parce que tous ont envie de partir et tous vont partir. Il faut juste qu'ils ne partent pas tous ensemble pour qu'on ne se retrouve pas à 5 encadrants seuls dans la rédaction à attendre les retours. Donc voilà, on est dans l'avenir, c'est ça, c'est aller découvrir les régions, les problématiques et des sujets qui sont prévus en Moldavie ou sur les frontières ou au centre du pays. Oui. J'ai vu qu'ils partent à Cluj, oui. En Moldavie. Pour vous, Marianne Rigaud, quelle est la chose la plus difficile à gérer ici quand vous avez quand même 22 étudiants ? Vous n'êtes pas... trop âgé par rapport à eux, vous avez terminé l'école il y a 4 ans, mais vous devez être à la fois ami et prof. C'est ça, moi j'ai 28 ans, ils en ont 23, 24, donc on est assez proches en âge. Moi il y a 5 ans j'étais exactement à leur place parce qu'avec l'ESG Lille on est parti aussi comme ça une semaine à l'étranger en Géorgie. Donc il y a 5 ans, je faisais la fête tous les soirs et le matin, j'étais quand même à l'heure en conférence de rédaction et je faisais mes reportages en temps et en heure. Donc depuis, il s'est passé 5 ans, j'ai commencé ma vie professionnelle. J'ai peut-être plus les mêmes envies, donc j'arrive à garder une distance parce qu'il reste les étudiants et je reste la prof. Donc je suis censée relire leurs papiers, pointer des fautes, pinailler sur les majuscules. Alors on se bat beaucoup avec les majuscules dans cette promo. Mais ça reste, moi je suis contente d'être ici parce que ça reste un pays que j'aime beaucoup. Donc voir des étudiants qui découvrent un pays, c'est génial. Ils me font part de leur,
de leur découverte, de leur surprise. Donc, ce qui est le plus dur à gérer, c'est juste la frustration de les voir partir en reportage, alors que moi, je reste à la rédaction. Oui, mais vous avez déjà fait beaucoup de reportages en Roumanie. La fête tous les soirs, Pauline Dufour ? C'est la fête tous les soirs ? La fête tous les soirs. Disons qu'on a envie de faire la fête tous les soirs, mais parfois, nos organismes ne répondent plus. Voilà, c'est rassurant de voir qu'à 23 ans, ça non, mais c'est, voilà, on est un peu dépité, mais on doit se dire quand même que parfois, il faut qu'on aille se coucher au lieu d'aller boire un verre. Mais voilà, oui, on essaye quand même de faire un petit peu la fête tous les soirs. Surtout qu'à Bucarest, on peut faire beaucoup la oui. fête. C'est quand même une ville sympa oui. pour ça. C'est vrai. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette merci. Émission. Merci. Donc, les auditeurs, ils peuvent regarder vos productions sur newsroom.fr. Il y a déjà plein d'articles, des vidéos, des sons qui vont être repris par certains médias français. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve à la semaine prochaine à la même heure. En français, s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.